Salut à tous et bienvenue sur Truck Edition pour ce nouvel épisode de Majo My Truck. Alors oui, je suis bien au bord de l'eau et non, je ne vais pas me baigner. J'ai rendez-vous en fait avec Olivier qui exerce un métier bien particulier puisqu'il transporte des poissons vivants. Et c'est donc en Ariège, ici sur les rives de ce magnifique lac de Montbel, à la ferme aquacole du Plantorel, que commence donc notre aventure et qui va nous emmener à plus de 300 km jusque dans les Landes. Alors c'est parti, on rejoint Olivier. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour Olivier. Olivier. Bonjour, Olivier, enchanté. Stringer. Je suppose que vous êtes le pisciculteur. C'est ça. Bon, ça marche. Alors moi, je suis venu ici pour découvrir justement le transport de poissons vivants. Là, je vois que déjà ici, le bureau, il a l'air sympa. Ah ouais. Eh bien oui, là, on est en plein air. On est donc sur un lac où ils produisent du poisson bio. Et donc, on vient charger depuis un mois et demi du poisson ici. Et donc, alors, comment fonctionne justement la ferme aquacole? Mais c'est un mode de production particulier, donc c'est des truites arc-en-ciel. D'accord. On est très peu nombreux en France, on n'est que trois en France à travailler sur un lac pour élever des poissons. Et nous, ça fait depuis 1994 qu'on est là. Et on est producteur bio depuis 2002. On a été les premiers Français à faire du bio en cage flottante. Alors moi j'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se dérouler? Moi, je suis arrivé avec un camion hier soir pour me mettre en place. On va commencer à mettre de l'eau froide, parce que la pompe, on va pomper de l'eau en profondeur pour la baisser de 5 à 6 degrés. Et eux, ils vont aller chercher les pisciculteurs, ils vont aller chercher les poissons qui sont déjà préparés dans des cages. On va les amener au bord et on va les charger à la pelleteuse dans mon camion. D'accord. Après, on les rincera pendant une heure, le temps qu'ils déstressent un petit peu tout ça. On rebaissera un petit peu les niveaux d'eau et ça sera prêt pour le pour partir. Ouais. Et alors, on va transporter combien de kilos, là? Alors là, on va transporter un nombre de poissons. Mais ça va correspondre à peu près à 4 500 kilos. D'accord. Et eux, ils vont compter le poisson. Ils ont fait une moyenne sur X poissons. Nous, on va mettre, il y aura 225 poissons par cuve du camion. Voilà. Bon, super. Alors moi, si je peux aider, n'hésitez pas. On y va? Allez, on y va. Il faut des gros bras, par contre. Bon, je vais me mettre à la muscu, alors. De bateau. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, tu fais quoi? Là, je mets de l'eau dans le camion. Je commence à mettre de l'eau froide. Ouais. Pour quand ils vont prendre les poissons, qu'ils ne tombent pas sur un fond sec. Donc on met déjà 20 à 30 cm d'eau. D'accord. Et je ouvre mon oxygène pour préparer les diffuseurs. C'est bon, François, pour moi. Ça y est? Je suis prêt. Bon. Donc là, on peut charger les poissons? Vous pouvez aller chercher les poissons. Donc si tu veux participer, volontiers. Je ne vous accompagne pas, je reste sur mon camion. Ok, on y va. Allez. Bon courage. Salut Olivier. Adieu. Et on va faire après un chargement cuve par cuve, voilà. J'avais préparé mon oxygène, j'avais mis un débit minimum et maintenant je mets le débit approprié à la densité de poisson pour le transport. Et voilà, je suis prêt à réceptionner. Et justement, en oxygène, alors tu en transportes combien? En capacité d'oxygène, j'ai 3 bonbonnes de 180 litres, ce qui me permet d'avoir une autonomie de 3 fois 10 heures à peu près, 30 heures d'autonomie. Et ce qui se correspond à un transport de 15 heures en problème de sécurité de 100%.
C'est vraiment spécifique alors pour le transport d'animaux vivants quand même. Oui, oui, c'est pour le transport de poissons vivants, c'est de l'oxygène liquide. Bon, si on remet une bonbonne de plus, on serait soumis au règlement ADR. Donc on ne peut prendre que 3 bonbonnes. Ça, en plus, on serait déjà limité par la distance. Les animaux, ils ne peuvent pas rester une durée indéfinie dans le transport. Ouais, on serait obligé de les rincer, de changer l'eau. Donc finalement, ça correspond à peu près à la durée maximum de transport pour le bien-être animal. Bon, bah super. Okay, bon, ça y est, là c'est chargé. Ouais. Maintenant, on va rincer un petit peu pendant qu'on fait les papiers. Et d'accord. Après, on pourra démarrer. Voilà, ok, bon. Super. Ça, c'est bon. Bon, bah, merci messieurs. Allez les gars. Bon courage, à l'année prochaine. Ils n'ont plus qu'à faire pousser du poisson pour nous. Exactement, ouais, ouais, ouais. Leur métier, c'est éleveur. Franchement, c'était super sympa de découvrir là, cet élevage de poissons. Hein. C'est un bel endroit, c'est grandiose. Ouais. C'est le seul site naturel dans lequel on va charger, parce que dans tous les autres endroits, c'est artificiel, c'est des bassins. D'accord. C'est de l'élevage un petit peu industriel, alors que là, c'est encore un élevage naturel dans un site naturel. Ouais. Et alors toi, en ce qui te concerne, comment tu en es arrivé à justement transporter des poissons vivants? Alors moi, mon grand-père était pisciculteur pendant la guerre. Mon D'accord. père aussi, ils élevaient des poissons. Quand j'ai travaillé avec mon père, moi je rêvais toujours devant les camions qui amenaient du poisson à la maison. En l'occurrence, c'était un transporteur belge qui amenait du poisson. Et puis j'étais là, mes parents ils étaient avec le poisson, puis moi je regardais le camion, je dis un jour je ferai ça, ça sera mon métier. Super. Et puis finalement j'avais 5, 6, 7 ans, et puis c'est en est fini que j'ai passé tous mes diplômes et tout ça. Mais c'est pas assez pour faire ce métier-là. Il a fallu que j'y aille, je suis parti 15 ans en Russie pour gagner ma vie, pour... pendant ce temps-là, acheter un camion de poisson et attendre qu'on me demande, parce que finalement, c'est pas parce qu'on a un camion qu'on a un carnet d'adresse. Hein. Donc ça a mis 20 ans à décoller ce métier-là, 20 ans, avant de faire que du poisson. Que D'accord. du poisson, ouais. Donc j'ai fait des voyages en Russie et un petit peu de poisson et de plus en plus de poissons. Donc tu transportais du poisson pour la Russie? Non, je transportais des marchandises normales, mais je ramenais du poisson de Russie. Parce que D'accord. Puis tout doucement, j'ai réussi à acheter une semi de poisson et puis ça en est devenu mon métier. Voilà. Bon, t'es resté dans la filière poisson, mais en intégrant le camion, quoi. En intégrant le camion, ouais. C'est ça. Ouais. Alors justement, en parlant de camion, côté donc équipement, t'as un bon camion apparemment. Là, j'ai vu, c'est un FH16, un 750 chevaux. Donc il y a ce qu'il faut sous le capot. Dans les transports d'animaux vivants, le mieux c'est un camion remorque, parce que c'est quand même un petit peu plus polyvalent. Donc ça, c'est un 26 tonnes avec une remorque de 18 tonnes derrière. Ouais. Parce qu'il m'arrive souvent de travailler sans la remorque. Donc j'ai l'ensemble idéal pour transporter du poisson. En plus, c'est des caisses amovibles. Mon autre camion, c'est un semi-remorque, plus facile à conduire, qui va dans un petit peu moins d'endroits, mais il roule quand même toute l'année. Ouais, il y a des endroits. Parce que celui-là, c'est un. C'est un camion-remorque, c'est un porteur-remorqueur. C'est ça. Voilà. Plus dur à conduire. Alors, effectivement. C'est un 6-2. C'est un 6-2, ouais. Et surélevable. Là, il a la définition parfaite. Suspension à air intégrale. Ouais. Mais suspension de cabine à ressort pour aller un peu moins vite sur les routes bosselées, parce qu'on a quand même des bonbonnes d'oxygène qui valent très très cher derrière, ce qui fait que si on roule à un camion trop confortable, on va aller plus vite. Et ouais, c'est l'ennemi des animaux derrière. Ouais. Donc le fait d'être un peu secoué, on ralentit la cadence. D'accord. Et on prend soin des animaux, et des trous, et du matériel. Finalement, on a un véhicule idéal, quoi. Alors pour charger, tu es arrivé hier, tu as dormi à proximité dans ton camion. Oui, je suis arrivé hier soir pour respecter cette coupure journalière de 9 ou de 11 heures, ça dépend. Je pense que ça doit être confortable. Le matelas est quand même bien épais. Le Volvo, c'est un camion confortable. Ouais. Là, effectivement, 370 km par jour, c'est un petit voyage. Mais sinon, on fait entre 7 et 800 km. Mon chauffeur fait 820 km aujourd'hui. D'ailleurs, juste pour info, sachez que dès lors que vous transportez donc des animaux au-delà de 65 km, mais il faut une autorisation spécifique, hein, c'est requis au titre de la protection animale d'ailleurs, pour une durée de validité de 5 ans. Ouais. Et donc il faut bien entendu démontrer que le personnel soit formé, que l'équipement soit adapté, tout en suivant donc une procédure quand même opérationnelle des plus conformes. Hein. Je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est exact. Et c'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut respecter, un protocole.
Mais après, il y a toujours un GPS. Les services vétérinaires sont au courant de où on charge, où on va. Par contre, il faut maîtriser le rinçage, l'eau, la sécurité, l'oxygène, tout ça. Mais le poisson s'en porte mieux. Hein. Et alors, vous transportez autre que de la truite ou peu importe le poisson? Oui. Ouais. Alors, on ne peut pas mélanger les poissons. Et si on fait de la truite, on ne peut pas faire du gardon le lendemain. Vous voyez, ou des poissons blancs, ça s'appelle. Il y a les salmonidés puis les poissons blancs. Et il y a le poisson de mer aussi. Mmh. Le poisson de mer, c'est autre chose. Il faut de l'air comprimé. Il ne faut pas que de l'oxygène. D'accord. Donc, c'est vraiment bien spécifique. Mais après, on s'est rendu compte que ben, les gens, ils avaient tellement peur des maladies que ça peut mettre en péril tout un élevage qu'il vaut mieux se spécialiser dans la truite. Et à la rigueur, il y a un camion sur deux de temps en temps qui fait un peu un autre poisson. D'accord. Et ça peut être des sardines ou des piranhas. J'ai transporté des poissons pour des eaux. Il ne faut pas mettre les doigts. Petite quantité. Hein. Bon, je ne suis pas grand. Hein. Mais notre métier principal reste quand même les salmonidés, c'est-à-dire les truites. De toute façon, il y a une désinfection qui se fait entre chaque transport. Oui. Quoi qu'il arrive, même si on retourne dans le même élevage, il désinfectera le camion. C'est un protocole que personne ne peut déroger. Une désinfection entre chaque transport. Je pense qu'on n'est plus très loin de chez toi, là. On va bientôt arriver. Là, on n'est plus très loin, on va sortir, là, et puis on va faire 5 km, on va se mettre en rinçage. On va arrêter le camion. On va surveiller les poissons, on va regarder tous les réglages, les adapter au rinçage. Et puis après, la mission de transport est finie. Il n'y aura plus qu'à... On va attendre demain matin pour emmener à l'usine. Quoi. On fait ça. La température est bonne. On entend les poissons qui remuent, donc c'est que ça vit. Donc rendez-vous demain matin Rendez-vous demain matin, 6h30. De bonne humeur, voilà, et puis voilà. Ça marche. Et on assistera au déchargement par les portes sur le côté. Ça ira beaucoup plus vite que le chargement. Oui. Oh, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Allez, bon, bonne soirée à tous. On vous dit à demain, 6h30, la livraison à l'usine. Bye bye. Olivier, salut. Bonjour Vincent. Tu vas bien? Merci. À l'heure, j'espère. À l'heure pour le déchargement, c'est très bien. Je vous présente mon chauffeur qui est là-haut, qui rince aussi mon camion. Ouais. Et on va décharger nos deux camions ensemble, on va s'aider mutuellement. Okay. Donc vous allez assister à un déchargement rapide de poissons par le bas. Bien. Allez, c'est parti. Allez, on tourne tout à l'heure. Nous voici arrivés à Bonport où les poissons donc, vont être préparés pour le plus grand plaisir des gourmets. On entend d'ailleurs la production s'est lancée. Hein. Les poissons à peine arrivés, ils sont préparés. Là, ils sont transformés, voilà, il n'y a pas de stockage. Oui. Bon. En tous les cas, merci beaucoup Olivier. Bien, moi j'ai passé une très bonne journée, une expérience, une immersion dans le transport de poissons. Oui. Pour remercier aussi toute l'équipe, hein, tous ceux qui travaillent avec toi et autour de toi, notamment à la ferme Aquacole, c'était très sympa. Je retransmettrai. Nous, c'était avec plaisir qu'on était accompagné. On vous a montré un peu notre métier qui est plus ou moins dur, mais qu'on maîtrise parfaitement. Il faut être effectivement attentionné, hein, parce que c'est du transport d'animaux vivants. C'est ça, donc, c'est des animaux vivants. On lâche la pression. Dès qu'on a vidé ce matin, notre pression s'est relâchée, puis ça y est, là, on est de nouveau cool. Voilà. Bon, super. Voilà. Et bien, en tous les cas, alors, cette immersion dans le transport de poissons vivants est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Hein. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Merci, Vincent. Merci beaucoup, Olivier. Bonne continuation. Merci.